Bien, bonjour à tous. Donc, je vous remercie pour votre présence plutôt nombreuse sur une thématique qui est difficile, un sujet d'actualité et encore, je dirais, sous tension et à l'étude. Donc, je présente le conférencier, puis ensuite, j'irai vous rejoindre dans le rang de l'auditoire. Alors, Jean-François Loistron est donc un enseignant de l'Académie de Nantes, où il travaille très fréquemment avec le corps d'inspection, donc à nos côtés, puisqu'il est également chargé de mission d'inspection, chargé aussi de la formation du CAPES interne dans l'Académie de Nantes, et puis aussi depuis de nombreuses années, un des animateurs réguliers du site académique Histoire-Géographie de l'Académie de Nantes, qui est un site très fréquenté au sein de l'Académie, et qui est une vraie ressource pour de très nombreux collègues. Voilà, donc je remercie beaucoup Jean-François d'avoir fait cette proposition d'atelier au Conseil pédagogique des rendez-vous de l'histoire, atelier qu'il a longuement travaillé et pour lequel je lui souhaite eh bien, de vous apporter beaucoup. Voilà, merci à toi Jean-François, merci à tous. Bonjour à tous. Alors l'objectif et l'esprit de ces ateliers est de proposer aux enseignants présents une réflexion à la fois pédagogique, articulée à des propositions de séquences pédagogiques, qui pourront être transposées dans leur enseignement. J'ai repris, oublié de dire qu'il fallait mettre entre guillemets, c'est la commande des ateliers. Alors dans le cadre qui est donné, c'est-à-dire 45 minutes à peu près d'exposé, je vais dépasser, et 15 minutes de questions et d'échanges, j'ai privilégié une entrée autour de trois thématiques qui, je pense, pour les collègues présents dans la salle, sont autant d'étayages dans nos pratiques. D'abord, une petite mise au point scientifique rapide autour de l'exact. Alors, je ne vais pas pouvoir tout dire sur le génocide des Tutsis de Rwanda, mais on va essayer d'éclairer quand même quelques points importants, surtout qu'il y a eu un renouvellement ces derniers temps. Le deuxième, ça sera un passage par les possibles. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une classe de troisième sur cette thématique? C'est l'aspect didactique. Et la troisième dynamique, ça sera la confrontation au réel de la classe. C'est le domaine de la pédagogie. J'ai mené avec des élèves de troisième une séquence autour de ces thématiques-là. Je vais vous partager à la fois ce qu'on a fait et le rendu de ces propositions. Avant de commencer, je voulais reprendre un peu la chronologie à l'envers. Alors, je sais que ce n'est pas très historique de reprendre une chronologie à l'envers. Mais pour expliquer pourquoi cette proposition, je vous propose avec moi de repartir en 2016. On est dans une salle de classe avec une élève de 3e et on passe l'oral du brevet. Cette élève, c'est Julia. Julia, c'est une excellente élève. Elle est cultivée, elle est assez scolaire, elle est brillante, intelligente. Et elle passe avec moi son oral sur Maus de Dart Spiegelman. Ce qu'elle fait, c'est excellent du début à la fin de l'exposé. L'échange avec le jury est riche. Puis au détour d'une question, Julia se met à pleurer. Mais vraiment pleurer. Que se passe-t-il? On interroge sur ses larmes. Elle nous dit que l'année de troisième a été vraiment trop dure en histoire. On a étudié que des violences, que des morts, que des guerres. Et que cela l'a émue jusqu'aux larmes. Et que si c'est ça le monde, ça devient un peu inquiétant quand même. Alors je prends cela avec mon co-jury, bien sûr, en pleine figure. Je me dis, Julia, on l'a bien formée, intellectuellement, historiquement. Elle est soclée, elle est brevetée. Et en cette fin de troisième, mais j'ai l'impression qu'on est passé à côté de son émotivité. On est passé à côté du rapport que Julia a entretenu avec tous les humains qu'elle a rencontrés dans l'année. Les poilus de Tardy, les Arméniens, les détenus du Goulag, les Primo Levi, les résistants du Maquis, les habitants d'Hiroshima, les victimes du World Trade Center. Ce genre d'expérience vous laisse assez dubitatif pour passer vos vacances d'été. Blois 2017. Je veux me rendre à une conférence sur le renouvellement historiographique sur la révolution industrielle. On a les plaisirs qu'on peut. L'amphi est plein, il n'y a plus de place. Je fais comme les autres festivaliers, je consulte anxieusement le programme pour trouver une nouvelle conférence à me mettre sous la dent. Voilà que Stéphane Audouard Rousseau présente son ouvrage « Une initiation au Rwanda 1994-2016 », édité au Seuil. Bon, pourquoi pas, lui spécialiste de la Première Guerre mondiale, parler du Rwanda, ça peut être original. Et là, tout comme le dit l'auteur à la page 12, « Un objet imprévu a coupé ma route ».
Cela a désarmé mes beaux sujets. En effet, le génocide des Tutsis avait laissé l'auteur parfaitement insensible en 1994, et cela de manière durable. Personnellement, en 1994, je terminais une maîtrise d'histoire contemporaine sur le MRP et la construction européenne. Et tout comme lui, je suis passé à côté du génocide des Tutsis. Et force est de constater que nos programmes aussi, en classe de 3e, n'abordent pas directement ce génocide. Il y a comme un manque de ce côté-là. Enfin, dernier élément de mon introduction, l'établissement dans lequel je travaille, on s'est inscrit depuis plusieurs années dans une évaluation par compétences et une évaluation non notée. En parallèle, on développe des projets autour de l'empathie, l'idée de faire acquérir aux élèves des compétences sociales et relationnelles de l'école, dans les prolongements des travaux de Omar Zana et de Bertrand Jarry, qui d'ailleurs viennent de publier un livre aux éditions Dunod sur cultiver l'empathie à l'école. L'idée étant d'être plus accessible et plus à l'écoute des élèves sans pour autant renoncer à transmettre. C'est-à-dire conforter une école bienveillante, exigeante, et parce qu'on reste persuadé que la qualité même de l'apprentissage d'une discipline ne peut pas s'affranchir du rapport émotionnel entretenu avec elle. Deux, trois convictions avant de détailler. Pour un enseignant, se penser en simple passeur de connaissances, c'est terminé. Le rapport aux apprentissages a changé. Je pense que vous êtes nombreux dans cette salle à en être convaincus. Imaginez qu'aujourd'hui, l'activité unique de l'enseignant, c'est de transmettre, sans réfléchir à la façon dont on transmet et dont on incarne ce contenu, paraît en effet obsolète, pour peu qu'un jour enseigner n'ait été que cela. Il faut accueillir des jeunes avec des parcours tellement différents que c'est de plus en plus pressant. Alors notre démarche au niveau de l'établissement, nous ne sommes qu'aux prémices, hein, sur la culture de l'empathie est aussi axée sur la question du corps, c'est-à-dire les postures et les entrées dans le savoir et l'apprentissage par le corps. Par exemple, des réflexions sur le passage au tableau, sur la récitation à plusieurs voix. Dans le domaine artistique aussi, on mène des EPI sur danse, histoire, EPS, musique, sur les violences du XXe et du XXIe siècle. Alors on verra dans la proposition que je vais faire que la question de la voix dans l'expression des émotions face aux images est quelque chose d'important. Enfin, dans la démarche, en fin de compte, que j'essaye de vous proposer aujourd'hui, dans l'atelier d'aujourd'hui, c'est que la proposition qui est faite, c'est de se faire rencontrer symboliquement un collégien de 2018, un collégien sartois, puisque je suis du département de la Sarthe 2018, avec un Rwandais de 1994. Sans tomber pour autant, et je m'excuse pour le trait d'humour, dans le syndrome Guy Moquet ou celui du parrainage d'enfants juifs déportés. On n'est pas là, dans le devoir de mémoire, mais bien dans un travail de mémoire et un travail d'histoire. Voilà, alors une introduction un peu longue, comme toutes les introductions, mais il paraît important de dire, comme tous les historiens, d'où on part, quel est notre objet d'étude. En fait, la proposition que j'ai mise en place avec les élèves, c'était peut-être une réponse aux larmes de Julia, et puis aussi probablement une réponse à l'angoisse d'hommes, d'historiens, de professeurs de passer trop souvent à côté du génocide des Tutsis du Rwanda. Avant de présenter l'atelier du point de vue pédagogique et didactique, on va faire une petite mise au point donc très rapide sur la notion de génocide et du génocide des Tutsis du Rwanda. Sur ce sujet, je vous renvoie au livre qui est paru à la fin de l'été, Le génocide des Tutsis du Rwanda de Florent Piton, donc qui est aux éditions La Découverte, qui est la dernière synthèse, excellente synthèse qui vient de paraître. Dans cet ouvrage, bien sûr, il y a beaucoup d'informations et une bibliographie très à jour, donc je ne donnerai pas d'autres références, vous pourrez vous y reporter. Concernant le scientifique, l'exact, hein, j'avais annoncé trois temps, donc on commence par l'exact. Sur la notion de génocide en général, le terme génocide, vous le savez, a été forgé en 1944 par le juriste américain d'origine polonaise Raphaël Limkin pour désigner l'éradication des Arméniens par les jeunes Turcs en 1915-16 et le massacre alors en cours des Juifs par les nazis. Il est ensuite entré dans le droit pénal international avec l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU le 9 décembre 1948 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Chez les spécialistes des sciences sociales, il y a presque autant de définitions du génocide que de chercheurs s'intéressant à la question. Néanmoins, on peut percevoir quatre éléments qui font consensus pour caractériser le génocide.
D'abord, la sélection des cibles sont un ou plusieurs critères identitaires. La mise en œuvre d'un programme, certains diront une planification par l'État. Le caractère systématique des massacres sans distinction de classe, d'âge ou de sexe. Et l'intention délibérée de commettre ce crime. Dans le cas du Rwanda, si l'on s'en tient à ces quatre éléments, la nature génocidaire du massacre des Tutsis ne fait aucun doute. Alors, quelques points d'ancrage, hein, je ne vais pas refaire l'historique du génocide, mais quelques points d'ancrage, quelques points saillants qui peuvent porter à réflexion. D'abord, la question des représentations. La fulgurance des massacres et l'apparente sauvagerie de l'événement alimentent les représentations d'une tuerie insensée. Certes terrible, mais somme toute coutumière dans les « ténèbres » entre guillemets du continent africain. Il faut pourtant se méfier des formules trop commodes de guerre interethnique ou de conflit tribal qui en disent moins sur l'événement lui-même que, et je reprends l'expression d'Edouard Rousseau, sur le déficit cognitif dont il fait l'objet. Le deuxième point d'intérêt, c'est la question des origines. Le génocide est en effet le produit d'un racisme moderne et non d'une haine atavique et ethnique traditionnelle. Né dans la colonisation, réapproprié à partir des années 1950 par une partie des élites politiques et de la population, ce racisme fournit la toile de fond idéologique de l'extermination. Cela ne signifie pas que le génocide était irrémédiablement inscrit dans l'histoire rwandaise depuis un demi-siècle, mais à chaque moment charnière, ce fut le choix le plus dur, celui de la radicalisation qui l'emporta. Pour le dire autrement, le génocide n'était pas la seule voie possible, mais il ne fut pas non plus un accident surgi de manière inattendue en 1994 ou même en 1990 lorsque débuta la guerre civile. Progressivement, le peuple, entre guillemets, fut défini sur une base ethno-raciale et en vint à désigner la seule majorité, entre guillemets, nécessairement Hutu, par exclusion de la minorité, entre guillemets, Tutsi. La question de l'intentionnalité et de la planification se pose ici avec une particulière acuité. La possibilité que le génocide résulte d'un déchaînement de violence et de fureur spontanée est évidemment à rejeter, même s'il n'existe pas de documents écrits ou d'ordre explicite. Quoi qu'il en soit, en même temps qu'une autre voie eût été possible, un faisceau d'événements instaure une continuité entre les discriminations et les violences de 1959 jusqu'au printemps 1994, de même que la dimension organisée des massacres est incontestable, y compris à l'échelle locale. Justement, la question des échelles peut être un troisième point d'attention sur ce génocide, et en particulier les échelles temporelles. Comprendre le génocide nécessite de travailler l'articulation du temps long, celui de l'émergence du front racial ou ethnique, et du temps court, celui de la mise en acte du racisme par les pratiques de cruauté dans la violence génocide, pour reprendre une référence de Christian Ingrao. Un autre point aussi, c'est la pluralité des acteurs. Nous avons des acteurs à l'échelle locale, l'État rwandais, les autorités locales, les voisins, la cellule familiale. L'échelle régionale, on a des prolongements de cette activité génocidaire dans les États voisins, le Burundi, l'Ouganda, le Congo. On a aussi une échelle internationale. On est là, il faut le rappeler, dans un contexte de fin de guerre froide. Donc on a l'intervention de l'ONU, de l'OUA, des ONG, des États, dont la France. La question du rôle de la France est fortement débattue. On y reviendra peut-être dans les questions. Et de la Belgique. Donc par l'intervention de ces multiples acteurs, le génocide fait pleinement partie de notre XXe siècle. Enfin, le bilan du génocide, 800 000 à 1 million de tués. Le caractère génocidaire, c'est-à-dire l'élimination totale, réside pas dans ce 800 000 ou 1 million, mais par le fait que 75 à 80% des Tutsis ont été éliminés. On compte environ 150 000 survivants. Une enquête du gouvernement du Rwanda, enquête sujette à caution si on suit Florent Piton, parle de 300 000 survivants. Pour plus de détails sur ces éléments-là, je vous renvoie à la très très belle exposition qui a été mise en site internet, l'exposition faite par le Mémorial de la Shoah de Paris, qui en 2014 a consacré une exposition dont vous avez le titre là, Rwanda 1994. Et il y a à la fois des documents très précieux et des analyses aussi très précieuses.
Alors, je voulais revenir sur quelques spécificités, cinq spécificités de ce génocide, dans une analyse un peu comparative par rapport aux autres génocides du XXe siècle. D'abord, la première spécificité, ce sont les lieux de massacre. À la différence des génocides des Juifs, l'annihilation physique des Tutsis ne s'est pas concentrée sur de grands sites de mise à mort pouvant correspondre aux camps d'extermination nazis ou aux ghettos d'Europe orientale. L'assassinat planifié des Tutsis s'est déroulé dans l'espace du quotidien, au coin d'une rue, dans les collines, dans les lieux familiers, voire sacrés, et là il y a une différence par rapport aux guerres de 1990, qui étaient jusque-là synonymes de sanctuaires et d'asile. 40% des victimes sont assassinées dans des églises. Le deuxième élément spécifique, c'est le maillage très serré des massacres. Loin de correspondre à une brusque explosion de colère, on l'a vu, les massacres des Tutsis sont organisés. Chaînon essentiel du processus d'extermination, les barrages routiers, désignés sous le terme de barrières, constituent un maillage spatial redoutable dans la prise en étau de la population Tutsi. Placées à des carrefours stratégiques, elles sont prises en charge par des miliciens Hutus et directement supervisées par les autorités préfectorales et communales pour l'approvisionnement en munitions. Au passage des barrières, les cartes d'identité, vous le voyez à l'écran, où figure la distinction ethnique Hutu-Tutsi, sont contrôlées. Les Tutsis sont immédiatement tués sur place. La troisième spécificité, c'est le génocide, on l'a souvent appelé le génocide de voisins. Spécificité marquante de ce génocide, l'implication massive de la population civile et le cercle limité dans lequel évoluent les tueurs et les victimes résultent de la logique exterminatrice de l'État. C'est sur l'investissement meurtrier de voisins à l'échelle du pays tout entier que repose la réussite du projet génocide élaboré par les instances dirigeantes. Regroupés en petites formations, appelées IBTRO, les meurtriers comptent aussi bien de jeunes hommes que des femmes ou des enfants. La proximité immédiate, l'intimité entre les génocidaires et les persécutés permet de comprendre la typologie des armes utilisées pendant les massacres. Réservées à l'armée ou à des miliciens militairement formés, les armes à feu sont loin d'être les seules armes employées. Les armes de mort s'inscrivent principalement dans l'univers du quotidien et se rattachent à une société rurale fondée sur l'agriculture, la chasse et l'élevage. La variété des instruments de mort, corollaire à la multitude des tueurs, reflète autant la détermination que l'inventivité criminelle de ces derniers. Abaissées au rang de bétail, les victimes subissent la volonté manifeste des tueurs d'accroître la cruauté de l'assassinat en y ajoutant souffrance morale et physique. Pour information, 38% des tués le seront par la machette, 17% par la massue et seulement, si on peut dire, 15% par l'arme à feu. La quatrième spécificité, c'est la question de l'État, de la figure de l'ennemi et du projet génocide. Le rôle de l'État, tant central que local, mais aussi de l'armée, des partis ou des milices, fut primordial pour conditionner les populations, et ceci dès les années 1960, pour armer et entraîner des groupes dits d'autodéfense à partir de 1990, et pour coordonner les groupes de tueurs en 1994. On voit là la question des échelles temporelles, la question du temps long. La mobilisation de la population Hutu s'est accompagnée d'une propagande féroce à l'encontre des ennemis du régime Habyarimana. Organisée, cette propagande est relayée par l'ensemble des médias existants, journaux, radios, télévisions, meetings politiques. La propagation et la répétition d'une phraséologie dénigrante rejetant les Tutsis au rang d'insectes nuisibles dont il faut se débarrasser constitue un élément déterminant dans le processus d'animalisation et de mise à mort des victimes. À la presse extrémiste s'ajoutent aussi d'autres circuits pour la propagande de haine. Fondée en juillet 1993, la bien connue radio-télévision des Mille Collines amplifie la diffusion de ces discours incendiaires. De manière plus informelle, les conversations de cabaret et les réunions locales participent peu à peu à la transformation des Tutsis en ennemis héréditaires du peuple majoritairement Hutu, entre guillemets. Enfin, la dernière spécificité de ce génocide, c'est l'après-génocide. Cet après-génocide possède ses propres spécificités. La première étape consiste à enterrer dignement les morts et à ériger des mémoriaux destinés à conserver et à perpétuer leurs souvenirs. Dans ces mémoriaux, pour certains, on expose des cadavres ou, c'est le cas de l'église de Nyamata, par exemple, on va en reparler avec la proposition pédagogique,
des vêtements ensanglantés. Il s'agit d'un parti pris d'une pédagogie émotionnelle. Une commémoration nationale est aussi instituée la journée du 7 avril, marquant ainsi le début d'une semaine annuelle de deuil national, dont le sens et le déroulement ont évolué depuis les origines. La prise en charge des victimes aussi est importante, la victime survivante, et de leur travail psychique de résilience qui s'organise à travers la mise en place d'un nouveau système judiciaire, reflet de ce génocide de proximité. En effet, comment faire cohabiter les victimes et les bourreaux? Comment juger autant de personnes? Donc, c'est la mise en place des GAKK, les juridictions de proximité, tenues par des juges élus dans leur communauté, qui instruisent en 10 ans près de 2 millions de dossiers et condamnent près de 800 000 personnes pour leur participation directe aux tueries et aux viols. Sur le plan international, on en a bien parlé, les Nations Unies s'attachent à qualifier la nature des massacres en instaurant le tribunal pénal international pour le Rwanda, dont le siège est placé à Arusha, en Tanzanie. 10 ans après le génocide, des crises traumatiques apparaissent chez les rescapés lors des commémorations du génocide. C'est extrêmement bien décrit dans le livre d'Audouin Rouzeau. C'est même très bien analysé, à la fois décrit et analysé. Les crises traumatiques sont un phénomène de réviviscence des événements vécus par les victimes, les survivants, lors des massacres de 1994. Les spécialistes de la psyché pointent le rôle clé du corps, la prédominance du vécu somatique de ces événements. En tant qu'enseignant, puisqu'on va commencer un peu à descendre dans la classe, en tant qu'enseignant, on se dit que traiter en classe un génocide de la fin du XXe siècle va nous donner accès à un corpus fourni d'images, de reportages, de témoignages, que l'on pourra exploiter et qui pourrait compenser la faiblesse de ce type de source pour les deux autres génocides étudiés en classe de troisième, le génocide des Arméniens et le génocide des Juifs et des Tziganes. Et pourtant, la question des images, et là c'est le thème des rendez-vous de l'histoire cette année, la question des images du génocide de 1994 est centrale. Je vous propose rapidement de faire un petit focus sur cette question des images liées au génocide. On dit souvent que le Rwanda, on dit du génocide au Rwanda, qu'il a été enregistré en direct par les photographes et les caméramans occidentaux, mais d'autres prétextent qu'il s'agit, tout comme la destruction des Juifs d'Europe, d'un génocide sans images. Plus complexe, la réalité historique ne confirme ni l'une ni l'autre de ces propositions. En effet, si les photographes de nombreuses agences prestigieuses, Sigma, SIPA, Magnum, étaient bel et bien sur place peu de temps après l'attentat contre l'avion du président Juvénal Habyarimana et le début des massacres organisés par les forces armées rwandaises et les milices génocidaires, leurs images sont restées dans une large mesure à la périphérie des médias. Plusieurs facteurs expliquent ceci. Plusieurs facteurs ont contribué à faire du génocide des Tutsis une sorte de trou noir médiatique. D'une part, les photographes ne pouvaient pas s'approcher des barrages où avaient lieu les tueries pour faire leurs images, à moins de mettre leur vie en danger. D'autre part, ils rencontraient de nombreuses difficultés techniques pour l'envoi de leurs photographies en Occident. On est en 1994, l'usage du numérique à ce moment-là n'est pas du tout développé. Le filtre de la censure politique et le manque d'intérêt relatif des rédactions occidentales pour ce petit pays de l'Afrique des Grands Lacs explique aussi la faible représentation dans la presse, contrairement à d'autres événements contemporains, la guerre en Bosnie, les premières élections multiraciales en Afrique du Sud, qui sont beaucoup plus portantes en termes d'actualité. Certains, pour expliquer la cécité face à l'événement, convoquent l'argument du peu d'images disponibles. Nous n'avons pas su, car nous n'avons pas vu. Si l'on peine à trouver des images du génocide en train d'être perpétré, à l'exception de la scène que vous avez à l'écran, scène difficile à regarder, de Nick Young, filmée du haut de l'école Saint-Exupéry à Kigali le 11 avril 1994, des images existent bien. Corps et charniers furent photographiés et filmés. Environ 7 jours après le début du génocide, la fin des opérations d'évacuation des expatriés a sonné le départ de la plupart des reporters occidentaux. Seuls 2 photographes, Patrick Robert et Luc Delahaye, qui travaillent respectivement pour Sigma et SIPA, décidèrent de rester sur place et tentèrent avec des moyens dérisoires de documenter les traces du génocide. Je voudrais juste signaler que les photos qui vont suivre sont difficiles.
Ils découvrirent notamment, sur la colline de Nyanza, un charnier à ciel ouvert de plus d'une centaine de cadavres. Bien qu'elles aient constitué un tournant dans la représentation visuelle de l'événement, les photographies de Patrick Robert, arrivées tardivement en Europe et jugées trop frontales, ne furent pas publiées dans les magazines français, contrairement à leur équivalent allemand ou américain. Dans le courant de mai 1994, l'extermination des Tutsis parut toutefois bénéficier d'un regain d'intérêt dans la presse avec l'apparition de nouvelles images. Les photographes entrés au Rwanda par la frontière tanzanienne évoluaient désormais dans le sillage du Front patriotique rwandais, le FPR, qui luttait contre les FAR, les forces armées rwandaises, pour prendre le contrôle du pays. Ils furent menés par leurs « guides » entre guillemets, dans des sites où les cadavres des Tutsis, abandonnés dans les églises, les écoles ou les maternités, gisaient dans un état de décomposition avancée. Très vite, cependant, ces images ont été recouvertes par un autre événement, plus spectaculaire aux yeux des médias. C'est l'exil massif de la population Hutu qui, par crainte de représailles du FPR, fuyait le Rwanda pour gagner les camps de réfugiés des pays voisins. Cet exil culmina au mois de juillet 1994 à Goma, où les civils Hutus épuisés, victimes d'une épidémie de choléra, vinrent mourir par milliers. Contrairement aux semaines précédentes, les photographes et les télévisions étaient désormais présents en grand nombre pour enregistrer les images de la catastrophe humanitaire. Vous pourrez revoir sur le site de l'INA l'intervention du ministre de la Santé de l'époque, M. Douste Blasi, en direct de Goma, qui parle d'un génocide du choléra. C'est assez, assez paradoxal par rapport aux images qu'on vient de voir aussi. Ces images devinrent par défaut le symbole du génocide, alors qu'elles documentaient l'agonie d'individus qui, non seulement n'avaient pas été les victimes de l'extermination, mais qui, de surcroît, y avaient pour certains participé activement. Les photos évoquant le déplacement des populations, essentiellement des Hutus fuyant l'avancée armée, vers la Tanzanie et de la crise humanitaire, prennent le dessus sur les photos des cadavres et des massacres. On s'intéresse davantage aux vivants qu'aux morts. Dans un article paru dans l'Humanité le 15 décembre 2017, Patrick Boucheron conclut son interview par cette phrase « L'histoire des images est une discipline de l'émancipation. » Alors à notre tour, tentons d'émanciper les élèves qui nous sont confiés en utilisant à la fois la puissance émotionnelle et la fonction pédagogique des images liées au génocide des Tutsis du Rwanda. Je vous propose maintenant de passer à la partie plus pédagogique et la démarche que je vous propose. Présenter la démarche pédagogique, c'est relater une expérience vécue qui s'inscrit dans un contexte particulier. Alors, je reste persuadé en tant que professeur qu'on fait avec les élèves qu'on a et que relater une expérience pédagogique, c'est d'abord expliquer les élèves qu'on a. S'il y a des collègues, je sais qu'il y a des collègues dans la salle, ils voient très bien ce que je veux dire. Le collège dans lequel je travaille est un collège de 550 élèves, à une vingtaine de kilomètres du Mans. C'est un collège rural, mais qui a perdu sa ruralité, pardon. Classe socio-professionnelle plutôt moyenne, enclavement culturel plutôt fort, sans être réducteur ou péjoratif, on pourrait dire que c'est un milieu populaire. Les élèves sont très gentils, par contre, on travaille très bien. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est pour expliquer, vous allez comprendre par la suite. C'est un peu provocateur, mais vous allez comprendre. Les classes, donc j'ai fait la proposition sur deux classes qui ont participé à la démarche. Deux classes de 24 élèves et qui ont des profils très différents. L'une d'un très bon niveau, assez scolaire, mais vous savez, d'un scolaire un peu enfermant. C'est-à-dire que si on ne leur donne pas de consignes, ils ne font rien, ils ne prennent pas d'initiative. Et à chaque fois qu'on propose des aventures pédagogiques, des tâches complexes, ça ne marche pas. Il leur faut du dur. C'est une classe qui a besoin d'un cadre, mais qui répond par contre très bien à la commande. C'est plus une classe d'exécutants, que d'expressifs. Alors l'autre classe, c'est complètement l'opposé. Le niveau est plutôt faible dans les analyses et les logiques et l'apprentissage. Par contre, ils sont très communicants, très agréables et ils sont très enthousiastes. La maîtrise des langages, par contre, dans cette deuxième classe, pose des difficultés. Pour préciser aussi les deux classes par rapport au sujet que j'ai abordé avec eux, on dit souvent qu'enseigner, c'est transformer les représentations,
déconstruire ces représentations pour les élèves, mais en ce qui me concerne, sur 48 élèves, aucun élève n'avait entendu parler du génocide des Tutsis de Rwanda. Donc je ne pouvais pas trop déconstruire quelque chose qui n'était pas représenté déjà. On est sur un terrain complètement vierge ici. Enfin, pas tout à fait, puisque la notion de génocide est quand même maîtrisée, on en a rencontré deux dans l'année, et la notion de violence de masse aussi est connue. Deux élèves sur 48 savaient que le Rwanda était un pays du continent africain. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Plusieurs garderont des difficultés, vous l'entendrez tout à l'heure, pour prononcer les noms de Tutsi et Hutu, le vivant d'ailleurs comme un échec, comme un problème. Certains garderont aussi jusqu'au bout l'expression « africain » pour parler soit des Hutus, soit des Tutsis, soit des habitants du Rwanda. Quelques éléments concernant la programmation de la séquence, les conditions techniques. J'ai proposé cette séquence sur trois séances, en utilisant à la fois la salle multimédia du collège, la salle de classe pour les enregistrements. Nous avons aussi utilisé l'ENT de l'établissement pour accueillir l'affiche consigne ainsi que les divers documents iconographiques, la vidéo et une cytographie. On est pour le moment à la fin de l'année, alors c'est très conjoncturel, c'est par rapport au rendez-vous de l'histoire. La commande a été tardive, il a fallu que je mette ça rapidement en place, et on est à une semaine du brevet. Autant vous dire que mes élèves ont autre chose à penser que aux pauvres Tutsis du Rwanda. Mais néanmoins, ils vont se mobiliser, on va le voir sur le sujet. Cette démarche a été faite dans le cadre du programme de troisième Enjeux et conflits dans le monde après 1989, hein, du thème 2 du programme d'histoire, le monde depuis 1945. Quelques préalables. Les élèves ont déjà, je l'ai dit, rencontré la notion de génocide. Pour certains, ils maîtrisent très bien la définition. Certains la maîtrisent de manière totalement mécanique sans la comprendre. C'est ceux qu'on a appris par cœur. Ils sont assez nombreux à avoir une logique d'interrogation de l'événement. C'est-à-dire qu'ils le savent, par rapport à un événement, poser les questions, qui, quoi, les acteurs, comment ça se passe, etc. Donc ça, c'est plutôt un point, un levier important. Je voulais signaler aussi qu'on avait mené avec eux un EPI sur les femmes au XXe et XXIe siècle, et l'un des focus concernait Simone Veil. Donc ils ont eu aussi le témoignage d'une femme déportée à l'âge de 16 ans dans les camps de concentration. Enfin, je l'avais signalé, la notion de violence de masse est aussi globalement maîtrisée. La démarche, je vous l'expose à travers cette notion. Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Qu'est-ce qui a guidé mes choix et quelle a été la philosophie, en fin de compte, générale de cette proposition? Je vous ai dit en introduction, on est un établissement où on travaille sur l'empathie. Donc, l'idée première, c'était d'utiliser des images, non pas du génocide, mais des images de la mémoire du génocide, des témoignages, pour permettre à l'élève de faire surgir ses émotions, ses réactions, son jugement face à ces images-là. Mais si, naturellement, on s'était arrêté là, on ne ferait pas de l'histoire. Pour reprendre les propos d'Annette Viorca, tout cela n'est pas illégitime, mais est-ce de l'histoire? Le témoignage s'adresse au cœur et non à la raison. Il suscite la compassion, la pitié, l'indignation, la révolte parfois. En effet, fût-ce implicitement, celui qui témoigne signe avec celui qui le reçoit, qui reçoit le témoignage, un pacte compassionnel. Donc là, si je m'étais arrêté là, je n'aurais pas fait un cours d'histoire, une démarche d'histoire. L'idée, c'est de partir de ces images mémorielles, de ce que les élèves ressentent, et par un parcours d'enquête, par la mobilisation des compétences, par la mise en place d'un protocole de l'historien, entre guillemets, de passer à la construction, ici la reconstruction, d'une notion, celle de génocide. Et de passer par la phase rationnelle, explication-interprétation. Ça permet de construire une interprétation rationnelle du passé sans nier l'émotion originelle suscitée. Ça permet d'historiciser la notion de génocide et ça permet d'inscrire le jeune adolescent dans un processus de changement, d'évolution des avis, des émotions. Je suis toujours ému par ces photos, mais j'ai mis de la compréhension sur ces photos et donc de la distance.
Les compétences mises en œuvre dans cette démarche, bon, elles sont classiques, elles sont liées au socle commun, hein, se repérer dans le temps et l'espace, mobiliser des repères, travailler sur le temps long et le temps court, contextualiser. Alors, comme cette proposition intervient en fin d'année scolaire, ça permet de faire un retour sûr. Donc, ça permet de relire aussi tous les thèmes qu'on a abordés dans l'année. Les élèves auront abordé donc les différentes périodes et les événements liés au génocide. Il s'agit aussi de réactiver des repères et de les manipuler, entre guillemets, pour les mettre en perspective. Ce qui est très bien à quelques jours du brevet des collèges. Analyser et comprendre un document iconographique, c'est la deuxième compétence qui va être mise en avant. Dire et raconter pour pratiquer différents langages. On va utiliser essentiellement le numérique, on va le voir. Le langage ici, c'est à la fois le langage oral et le langage parlé. Le langage parlé et le langage écrit sous toutes ses formes, en particulier par la création d'un livre numérique et aussi de cartes mentales. J'avais oublié, je crois que j'ai zappé une compétence. Analyser et comprendre un document iconographique. Donc, au départ, l'objectif était de réaliser une grille d'analyse de l'image qu'on pourrait réutiliser. On n'a pas réussi à le faire. Enfin, je n'ai pas réussi à le faire avec eux. Autre compétence, porter un regard critique pour distancier. S'interroger sur la source de l'image, la transmission, qui, pour qui, quel message, quelle pérennité pour cette image. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une image exposée? S'interroger sur les aspects techniques, le cadrage, la question de l'audience de l'image, la question aussi de la manipulation éventuelle, de la propagande liée à cette image. Enfin, des compétences transversales. Je voulais signaler, on est dans un établissement où on ne met plus de notes, on ne travaille que par des compétences. Et donc, à chaque fois qu'on fait une activité, on met en place des compétences transversales comme coopérer dans un travail de groupe, gérer un projet, planifier des tâches, évaluer l'atteinte des objectifs et aussi des compétences liées à l'éducation aux médias et à l'information sur l'utilisation réfléchie des sources. Voilà un extrait, vous verrez les autres extraits après, de la fiche de consigne. Vous voyez que c'est totalement basique. Les élèves ont l'habitude de ce type de fiche avec les objectifs annoncés. Concernant les objectifs annoncés, vous pouvez voir qu'on s'appuie sur des verbes clés de l'histoire-géographie. Découvrir, expliquer, s'exprimer. Et pour que l'élève comprenne bien la démarche et comprenne bien ce qu'on attend de lui, on lui indique les compétences qui vont être évaluées durant ces trois séances. Le mode de restitution, je vous l'ai indiqué, l'objectif était de créer soit un livre numérique, soit un diaporama. On verra quelques résultats à la fin de la proposition. L'étape numéro 2 est totalement pragmatique, enregistrer un fichier, etc. De façon à ce que les élèves envoient régulièrement le résultat de leur recherche à leur professeur et qu'on puisse avoir des traces à suivre. Alors, les élèves sont amenés à regarder trois photographies. Les trois fichiers d'images sont à ouvrir. Ils prennent le temps de regarder les photos. Sur le traitement de texte, ils insèrent chaque image, puis en dessous de chacune d'elles, ils écrivent ce qu'ils ressentent, ce qu'ils comprennent à la lecture de ces images. Tout le monde comprend bien que là, ils n'ont rien comme contexte. Ils ont juste cette image. Alors, cette première image est une photographie de victime du génocide qui est prise au Kigali Génocide Mémorial à Kigali. La deuxième image, ce sont des enfants devant les restes de vêtements de Tutsi exterminés dans l'église de Nyamata pendant le génocide de 1994. Et la photographie est prise en 2008. Alors, les élèves ont cette information que la photo est prise en 2008. La troisième image, ce sont des visages de jeunes victimes du génocide rwandais de 1994, exposées au mémorial de Kigali aussi, lors d'une exposition en 2014. Elle est tirée du livre scolaire. Donc, les élèves ont ces trois images. Première remarque, elles ne sont pas contemporaines de l'événement. Ce n'est pas des images du génocide, si ce n'est, en bas à droite pour vous, une image où on voit un corps. Je souhaite, à travers ces images, que les élèves se disent
Ça a eu lieu. Mais qu'est-ce qui a eu lieu ? C'est le premier contact avec les images. Et j'impose le passage à la longueur, c'est-à-dire que je leur laisse le temps de s'exprimer par rapport à ces images. Le temps du contact, le temps de la restitution du ressenti. Je voulais aussi donner des images non directement génocidaires pour lancer l'enquête, pour créer une certaine distanciation, pour privilégier l'entrée mémorielle et aussi pour partir des traces du génocide. Si vous vous rappelez de la citation de l'écran d'accueil tout à l'heure, hein, de la matérialité de son exécution. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que je fais ? Ben, je change de posture, une fois que j'ai donné les consignes, je me balade, je prends le temps de l'écoute des élèves, j'entends les interrogations, j'entends les émotions, je vois les yeux mouillés de quelques-uns, de quelques-unes, j'entends les voix fortes de ces adolescents qui sont mal à l'aise et qui le expriment par la voix. Et c'est le moment que je vais utiliser aussi pour faire des captations sonores. C'est le moment de la captation sonore dans une autre salle avec d'autres, enfin avec les élèves qui viennent les uns après les autres. Comme souvent chez les adolescents, la difficulté de la prise de parole est importante. Ici encore, plus que par ailleurs, puisqu'ils se savent enregistrer. Par contre, je ne suis pas là au moment de l'enregistrement. Je déclenche, je passe à côté, ils font l'enregistrement, ils éteignent l'enregistrement. Ils ont les images sous leurs yeux, à l'écran. Certes, les paroles sont importantes, mais je vous conseille de bien écouter aussi tout ce qui n'est pas l'ordre de la parole, c'est-à-dire les souffles, les tics de langage, le bruit, les respirations. On va écouter quelques exemples. Premier exemple, peu de réaction émotionnelle, Victor Enzo. Sinon, je vous dis, j'ai une enceinte. Hein. Je vais mettre l'enceinte, c'est pas grave. Je mets l'enceinte et puis je... On a un petit souci technique, c'est embêtant de ne pas avoir le son. Je vais essayer de trouver une autre solution. Voilà. On sait quand même que c'est des victimes du... Donc sur cette image on peut voir des photos de gens, en plus des enfants qui nous regardent. Ça nous... Bah, personnellement ça me fait... j'oublie les mots. Bah, moi je ressens rien, parce que c'est juste des photos de gens qu'on connaît pas. On sait quand même que c'est des victimes du génocide, donc c'est un peu triste, mais on ne sait pas plus de choses, donc ça ne suscite pas grand-chose d'autre. De la... Donc Victor, Enzo, ensuite... Des descriptions plus ou moins rigoureuses avec quelques hypothèses, donc une approche un peu plus scolaire. Alexandre et Paul. Alors,
Je vois dans une église qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont très sales. Ce sont des vêtements de Tutsis et qui sont exterminés dans cette église. C'était pendant le génocide de 1994. La photo, elle était prise en 2008. Alors, la photo, elle est émouvante. Et on trouvait qu'elle était sombre. On peut ressentir la tristesse des enfants par leurs larmes. Et comment les vêtements, ils sont sales. Ils sont tous mis en tas. Et les enfants, ils sont tous alignés en train de pleurer devant les vêtements. Comme ça pourrait. Les vêtements peuvent représenter leur famille ou les amis proches ou les parents. On peut ressentir aussi la peur des enfants après ce génocide parce qu'ils ont peur que cela recommence. Ils n'ont pas envie de reperdre des gens. Le sol est sale, ce qui peut présenter la misère chez eux, le déficit, très peu d'argent. Et on passe à la troisième catégorie, des émotions, des opinions un peu plus tranchées. Alice et Elena. Dans l'image 1, il y a plusieurs photos de personnes décédées par le génocide. Des personnes sans histoire. Et je me demande en fait comment ils ont réussi à avoir tous ces visages. Des personnes qui ont été tuées pendant le génocide. Je trouve que c'est glauque d'avoir tous ces portraits affichés dans la même pièce, des portraits de décès. Dans les autres images, on voit comment le génocide s'est passé, les actes de violence sur les personnes. Et voilà, dans la vidéo. Dans la vidéo, on voit les Rwandais qui ont été victimes du génocide, qui ont été ligotés, qui ont été torturés par les personnes qui ont fait le génocide, par les personnes qui les ont tués. Et je comprends qu'ils voulaient tuer tous les enfants garçons pour pas qu'ils se vengent, parce que j'aurais été à leur place et j'aurais été encore vivant, je me serais vengé d'eux. Je leur aurais fait la même chose. Et je pense qu'on peut ressentir que de la haine contre ça. C'est bizarre qu'ils gardent les corps au même endroit pour montrer la terreur qu'il a eue, qu'il s'est passé, mais c'est bizarre. Qu'il a eu. Il y a des enfants aussi qui ont été victimes du génocide, mais qui sont pas morts, qui ont été mutilés ou encore tirés dessus. Et que pour des enfants, c'est quand même bizarre de vivre ça à leur âge et d'avoir perdu leur famille pendant le génocide. Le dernier extrait. On voit des personnes métisses, noires, pas beaucoup de personnes blanches sur cette photo, sur les photos présentées. C'est un mémorial de toutes les personnes du génocide du Rwanda. Ah oui, c'est ça. Ça. Ouais. Et on voit que sur les photos, les personnes sont jeunes pour la plupart, ouais. Elles sont plutôt jeunes et plutôt tristes. On voit pas beaucoup d'expressions sur leur visage. C'est neutre. Et quand on voit ça, on se dit qu'il y a eu quand même beaucoup de victimes et que ça a été un gros génocide. Je dis. Il manque aussi des photos. Et on voit qu'il y a quand même. Ils sont un peu plus vieux, non ? Oui, il y a des. Là, il y a des enfants aussi. Il y a des enfants. Et c'est, ça prouve qu'il y a eu beaucoup de. Beaucoup de meurtres. Et ça a touché tout le monde. Je pense que. Je pense que. Cette captation sonore, donc, elle a son pendant, si ça veut bien marcher, son pendant en écriture.
Elle est complétée aussi par le visionnage d'un extrait du journal télévisé donc du 11 mai 1994. Là, on rentre un petit peu déjà dans la compréhension et dans la recherche d'informations, puisque dans le reportage, on va avoir une série d'informations. Voilà des exemples d'écriture d'élèves. L'idée ici avec les vidéos, c'est qu'on va avancer, on va prolonger le premier niveau d'émotivité par une proposition de formuler une compréhension qui va commencer à être une compréhension un peu plus rationnelle. Les élèves vont peu à peu chercher à identifier les différents acteurs, les moments. Néanmoins, le reportage, pour certains des élèves, les installe encore plus ou autant dans l'émotion. Si vous regardez la dernière phrase, il y a un enfant donc dans le reportage qui nous a beaucoup attristés car il disait qu'il voulait s'échapper avec sa famille, etc., etc. Donc là, on a deux attitudes différentes. On a des élèves qui commencent à sortir de l'émotion parce qu'ils ont maintenant des noms, des dates, des événements, des lieux, et d'autres qui y restent. La troisième étape consiste à passer, comme je le disais tout à l'heure, au protocole de l'historien, c'est-à-dire à commencer une activité de recherche d'informations afin de présenter en 15-20 lignes ou sous une autre forme, j'accepte toutes les formes, le génocide des Tutsis au Rwanda. Alors, les sources disponibles, je les ai orientées pour diverses raisons. D'abord parce que vous savez qu'il y a beaucoup de sources polémiques sur cet événement historique, comme beaucoup d'événements historiques. Ensuite, l'éparpillement, un adolescent devant Google, on sait ce que ça donne au bout de quelques minutes. Donc là, c'est très orienté, hein, des sites qui permettent de préciser les informations. L'idée, c'est qu'on va passer de la phase d'émotivité à la phase de compréhension, sans pour autant évacuer l'émotivité. C'est-à-dire que la phase de recherche va devenir une sorte de passage pour déverrouiller l'émotivité, pour prendre de la distance. On rejoint ici certaines démarches de l'EMC, hein, sur la question de la sensibilité, par exemple. La sensibilité est une composante essentielle de la vie morale et civique, nous disent les instructions officielles. Il n'y a pas de conscience morale qui ne s'émeuve, ne s'enthousiasme ou ne s'indigne. L'éducation à la sensibilité vise à mieux connaître et identifier ses émotions et ses sentiments, mais aussi s'estimer et être capable d'écoute et d'empathie, et enfin se sentir membre d'une communauté humaine, sociale, nationale. Donc on passe de la phase éruptive, émotionnelle, à une phase compréhensive, qui peu à peu va aller vers le jugement critique, le questionnement un peu plus proche des protocoles de l'historien. La puissance des images n'est plus seulement là pour son caractère spectaculaire, qui se donne à voir. Il y a quelque temps, on aurait dit le poids des mots, le choc des photos. Mais les images deviennent puissantes par leur capacité de compréhension de l'événement, parce qu'elles disent de la perception et de la mémoire de l'événement, et là on est bien dans les thématiques de Blois. Alors concernant les productions d'élèves, on a plusieurs types de productions, bon, une carte mentale. Là, ce qui fait plaisir, c'est qu'on retrouve pour les élèves des questionnements qu'on a travaillés depuis la sixième, le quand, les acteurs, le bilan, le pourquoi un génocide. Donc là, il y a un questionnement intéressant de la part de ces élèves-là, qui vont après chercher des informations. On a eu des formes aussi sous forme de tableau qui reprend là encore les méthodes de questionnement, avec le rappel de la définition de génocide au préalable. Et puis une trace écrite, une production plus classique sous forme de texte rédigé. On retrouve là les compétences classiques, hein, je ne vais pas les rappeler, mais nommer les acteurs, se repérer dans le temps, expliquer, caractériser un génocide, etc. Une fois que ce travail de réflexion, de recherche d'informations est fait, j'invite les élèves à reprendre leurs écrits du début, reprendre les informations, les écritures qu'ils avaient pu faire sur le premier contact avec les images,
et d'essayer de les compléter. Donc en couleur vert, vous allez voir, ils vont reprendre. Donc là, ce qui est en noir, c'est ce qu'ils avaient écrit la première fois, et ils surajoutent maintenant des informations. Ils sont passés par la phase d'enquête, et donc ils vont pouvoir mieux comprendre les émotions qu'ils avaient. Alors là, on a plusieurs résultats. On a des élèves voilà, qui repèrent les acteurs. C'est le premier exemple. Là, c'est intéressant parce qu'on voit tout de suite que l'élève a pointé les acteurs, la date. Il n'a pas rajouté grand-chose, mais il a rajouté des noms et des dates. Il avait déjà évoqué le lieu. Sur ces deux extraits, je vais plutôt m'intéresser au dernier. On sait maintenant que les personnes sur ces photos sont des Tutsis. On est encore plus triste de savoir les raisons de la mort de ces personnes. Donc là, on a un groupe d'élèves qui continue dans l'émotion. Ils ont bien des éléments de compréhension, mais ils continuent dans l'émotion. La distance n'est pas encore tout à fait présente. L'étape numéro 5 était plus technique. Je vais passer assez rapidement parce que le temps est déjà bien écoulé. Il s'agissait de réfléchir sur la production de l'image, donc de réaliser par l'intermédiaire de Google Images la fiche d'identité, la carte d'identité de la photographie pour essayer de comprendre d'où elle venait, qui en était l'auteur, etc. Ça n'a pas été le truc le plus super réussi de la séance. Faute à la fois de temps, aussi parce que les images Rwanda présentes sur Google sont parfois des images d'autres conflits ailleurs. Mais elles sont quand même nommées comme des images Rwanda. Moi aussi, je fais l'erreur. Vous pourrez faire l'essai chez vous. Vous verrez, il y a beaucoup de photos qui sont qualifiées de génocidaires et qui ne le sont pas en fin de compte. L'étape 6 est l'étape quasiment finale pour la production. J'ai demandé aux élèves de répondre à la question suivante. En quoi cette image, l'image qu'ils ont choisie, est une illustration du génocide ? Donc là, on a des productions un peu plus abouties qui font le lien donc, entre la partie émotive et la partie de recherche. On travaille l'argumentation, décrire, expliquer, argumenter, caractériser. On est là dans le dur de la démarche, car il faut à la fois travailler la synthèse des informations et il faut que l'élève intègre le passage de l'émotion à la construction de la notion. Donc là, c'était très intéressant parce que on voyait les élèves qui se tiraient les cheveux, enfin voilà. C'était compliqué pour eux, ça suait, ça râlait, mais quand ça râle et ça sue, c'est qu'il y a des choses qui se passent en classe, donc c'est plutôt pas mal. Je ne vais pas avoir le temps, je ne vous en montrer qu'un seul, le meilleur. Donc, en termes de production, donc ils sont passés par faire un petit livre numérique, Je vous le présente en PDF parce que je n'ai pas de connexion Internet. Donc voilà ce que, au bout des trois séances, ce que le travail pouvait représenter pour des élèves. C'est Ilona et Alice et Elena que vous avez entendu qui aboutissent. Alors eux, l'étape 6, l'étape de la synthèse, elles n'ont pas super avancé là-dessus, mais on était un peu limité dans le temps. Enfin, une dernière étape leur a été proposée, c'était de regarder quelques témoignages sur le site de l'ONU. Vous avez plus d'une heure et demie de témoignages. Alors là, c'est des témoignages oraux, hein, on n'est pas sur des images. Donc ça leur a permis de compléter leurs informations et leurs ressentis, mais il n'y avait pas de travail d'exploitation sur le sujet. Pour ne pas conclure... Quelques éléments de retour et de bilan. J'ai demandé aux élèves de faire un bilan via le formulaire de l'ENT de l'établissement pour savoir comment ils avaient ressenti les choses. Certains l'ont fait à la fin de la troisième heure parce qu'ils avaient un peu d'avance. D'autres l'ont fait le jour même ou à J+1, J+2. Environ les deux tiers des élèves ont apprécié à part égale la double approche de la démarche, exprimer ses émotions et rechercher des éléments explicatifs historiques. Le tiers restant se partage en deux. Une moitié a beaucoup apprécié l'expression du ressenti, et sans faire de stéréotypes, les filles essentiellement.
L'autre moitié a préféré la démarche de recherche historique. C'était plutôt les élèves que j'avais évoqués dans la présentation, un peu scolaires, un peu curieux, mais qui veulent voilà, que les choses avancent, que le protocole soit là. Eux sont passés un peu à côté de la phase émotion. Globalement, les élèves mettent en positif la singularité et la nouveauté de la démarche. Quelques limites à cette démarche, on pourra en partager par rapport aux questions. La première limite, c'est que j'avais envisagé de faire une reprise à l'oral sous forme un peu, vous savez, de ces concours d'éloquence que le mémorial de Caen propose en 180 secondes, proposer quelque chose, puis dans l'objectif du futur bac, bon, je n'ai pas eu le temps de le mettre en place. Deuxième limite, c'est qu'il est très difficile, à partir du génocide des Tutsis du Rwanda, de faire levier avec le thème du programme, l'après 89. C'est compliqué quand même, dans le temps imparti, de le faire. Et puis la dernière limite, c'est que je n'ai pas eu le temps de mettre en place une évaluation de, entre guillemets, connaissances. On a pu évaluer, coopérer, planifier des tâches, etc. Mais je n'ai pas pu, sauf devant mon écran et devant leur production, avoir un retour avec eux sur ce qu'ils avaient pu comprendre. Deux petits mots, juste pour élargir. Il y a pas mal de choses possibles aussi à faire en élargissant. On pourrait proposer cette démarche-là sur d'autres événements. Sur le 11 septembre 2001. On pourrait aussi réfléchir sur cette démarche-là avec les deux autres génocides, avec toutes les limites qu'on a concernant les images. On n'a pas forcément les mêmes images, mais partir des images mémorielles. On peut s'interroger aussi sur d'autres conflits, sur l'Algérie. Ça pourrait être des choses qu'on pourrait mettre en place. En tout cas, c'est là-dessus que moi je vais réfléchir. On pourrait travailler d'autres sources. Le témoignage, je l'ai dit, avec l'ONU. Pour préparer cet atelier, je suis revenu aussi sur une ancienne émission, Là-bas si j'y suis, de Daniel Mermet, qui était sur France Inter. Et il y a une très très belle émission qui s'appelle Rwanda, découverte de Valentine, qui est toujours sur Internet, que vous pouvez écouter, et qui a un témoignage, il y était, je ne sais plus si c'est fin avril, début mai, sur place. Et il y a quelque chose qui peut se faire sur le son, là, comment les élèves, à la perception de son, peuvent exprimer des émotions. On a bien sûr... D'autres choses sur le corps. On peut aussi leur demander de travailler autour de l'EPS, de la musique. On peut aussi aller du côté de la littérature. Alors pour ceux qui connaissent Petit Pays de Gaël Faye, même si ça ne concerne pas directement le génocide de 94, mais la question est quand même là. Ça se déroule au Burundi. Le film va sortir dans quelques temps avec Jean-Paul Rouve. Dans quelques semaines, donc ça peut être aussi un travail fait avec les élèves. Vous avez aussi les cahiers de mémoire chez Garnier qui peut être utilisé. Les cahiers de mémoire sont des récits de génocide, mais la remémoration s'étend en amont, en aval, et suit un rythme ternaire avant, pendant et après. C'est plutôt pour un public de lycéens, vu le niveau de lecture. Enfin, je voulais terminer juste en citant trois types de bandes dessinées. Alors qu'il a fallu attendre les années 1970 avec Maus d'Art Spiegelman pour qu'une bande dessinée traite de la Shoah, le drame rwandais est entré dans le domaine dès les années 2000, tout juste 6 ans après les faits. Il y a trois grandes bandes dessinées. Deo Gracias de Jean-Philippe Stassen décrit la double déshumanisation d'un génocide, celle qui atteint les victimes rabaissées à l'état de cafard, qui était le nom que l'on donnait aux Tutsis, par une propagande minutieuse préparée, celle qui atteint les bourreaux, dont les exactions dépassent l'entendement. Là, c'est intéressant de travailler parce qu'avec Art Spiegelman, on peut faire un lien sur le zoomorphisme. Une autre bande dessinée plus classique, plus réaliste, Rwanda 1994, en 2 épisodes, qui retrace la survie d'une jeune femme Tutsi pendant les semaines sanglantes. Et enfin, La fantaisie des dieux, de Patrick de Saint-Exupéry, qui était présent sur place, qui est aujourd'hui le rédacteur de la revue 21, et qui, en particulier dans cette bande dessinée, revient sur le rôle de la France. Je voulais signaler aussi, avant de conclure, que dans la réédition en poche de l'histoire mondiale de la France de Patrick Boucheron, il y a un article nouveau sur la participation de la France et les débats que suscite cette participation. J'ai proposé aux élèves, pour reprendre Audouin Rouzeau, une initiation émotive et réfléchie du génocide des Tutsis du Rwanda. Reste à savoir s'ils s'y sont initiés.
Quelques éléments me font dire que oui, d'autres un peu moins. Mais je pense qu'avec eux, j'ai fait de l'histoire rigoureuse, scientifique, mais pas déshumanisée, acceptant la dimension émotive de l'événement. J'ai tenté une histoire désengoncée, pour reprendre une expression de Laurence de Kock. Et pour paraphraser Patrick Boucheron à propos de la bombe d'Hiroshima, mais on pourrait le transposer au Rwanda, oui, ce jour-là, ça a eu lieu, et c'est la question de l'historien, ce que c'est que d'avoir eu lieu. C'est-à-dire une date et les coordonnées de cette date. Un moment, quelque part, et ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement que ça a eu lieu, c'est qu'on comprend que ça pourrait encore, d'une autre façon, avoir lieu. Je vous remercie. Alors, c'est le temps traditionnel des questions. Je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Ça peut être des remarques. Le problème que vous aviez posé au début sur le fait de cet élève qui s'effondre en larmes, il n'a pas été complètement traité dans cette démarche. Et donc, peut-être, et pour accrocher aussi cette question-là à d'autres aspects du programme, on pourrait, dans le corpus qui est donné aux élèves, poursuivre sur l'après-génocide et sur les processus de réhumanisation qui ont lieu, à la fois à l'échelle internationale, dans le tribunal international qui a été créé, et puis dans la société rwandaise elle-même, avec les fameux tribunaux villageois, les gachacha, parce que les victimes et les bourreaux continuent de coexister, enfin celles qui ont survécu, les victimes qui ont survécu, continuent de coexister au Rwanda, c'est pas facile. Et donc, voilà, c'est-à-dire, finalement, ne pas s'arrêter au moment de l'accomplissement du génocide, puisque vous abordez la question de la mémoire, vous l'abordez par le côté mémorial, mais on pourrait aussi rajouter un côté juridique. Alors, bien sûr, la justice n'efface pas ce qui s'est produit, mais elle intervient quand même, et c'est peut-être une petite lueur d'espoir qu'on peut donner aux élèves. Et puis, dans aussi... les traces que laisse un génocide, c'est l'absence, c'est-à-dire des maisons qui ne sont plus occupées, des parcelles qui ne sont plus cultivées. Et on peut aussi aborder le génocide de cette façon-là. Pourquoi ces lieux sont en déshérence, qui les habitait, qui les peuplait, voilà, hein, quelques petites pistes. Et une toute petite remarque de forme, je pense qu'il vaut mieux éviter de parler de génocide rwandais, parce que sinon on renvoie en fait les victimes et les bourreaux au même ensemble, c'est bien le génocide des Tutsis. Oui. Alors tout à fait, c'est pour ça que le programme n'est pas bon, j'avais demandé à le changer, puis ça n'a pas été fait, ça devait être imprimé probablement avant, mais... En effet, pour reprendre aussi ça, l'idée de la justice aussi, c'est montrer aux élèves que des émotions, des phases éruptives, si on prend le temps de la réflexion et l'on prend le temps de croire en des valeurs qui sont pour nous, là, enseignants, celles de la République, on peut dépasser ces affrontements et croire en particulier dans les valeurs de la justice. Oui, tout à fait. Après, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être fait à l'échelle de toute l'année, lorsqu'on rencontre justement ces moments de confrontation en programme de troisième, pour peu à peu installer cette idée qu'à chaque fois, il y a eu des éléments qui ont permis de résoudre et d'avancer. Ceci dit, les élèves pourraient nous dire « Oui, mais ça refait quand même. » Donc, il y a un manque. Ouais. Oui, bonsoir. Bonsoir. Joëlle Cessina, je suis professeure en lycée général. Merci pour l'exposé. Nous travaillons sur ce type de démarche également. Ces jeunes qui sont en troisième, la plupart utilisent des jeux vidéo où la violence, dans certains cas, est très présente. Est-ce que vous avez pensé à faire un parallèle, par exemple, entre ces jeux qui manipulent et où ils expriment une violence souvent
extrême et banalisée, avec ces images qui, en fait, suscitent l'émotion, mais elles présentent, on ne peut pas dire le contraire, le génocide, mais elles ne le montrent pas, ne l'explicitent pas. Et donc, quelles sont aussi les notions et les concepts que vous leur apportez en plus? Parce que là, ils tirent des analyses ou des éléments des images, mais quels mots ou quels, voilà, les notions et les concepts que vous rajoutez? Merci. Alors, je ne rajoute pas forcément, parce qu'ils vont découvrir ces notions et ces concepts dans la phase de recherche d'information. On est à notre troisième génocide dans l'année. Donc, ça veut dire que on est qu'en troisième. Hein. Donc, l'idée, c'est qu'ils aient un mécanisme d'interrogation d'un événement et de savoir si on peut le caractériser de génocide et pourquoi. Donc, à travers la phase de recherche, ils vont en effet découvrir le bilan humain, ils vont découvrir ceux qui sont touchés, la proportion de ceux qui sont touchés. Ils vont reprendre, en fin de compte, la définition de génocide et voir si c'est bien un génocide. Pour ce qui est des jeux vidéo, c'est vrai que c'est pas quelque chose que je travaille. Néanmoins, par rapport aux élèves que j'ai, je trouve qu'ils arrivent à faire la part des choses entre probablement une violence qu'ils expérimentent à travers des jeux vidéo, y compris avec des dimensions historiques parfois dans les jeux vidéo. Et une fois qu'ils sont en classe, hein, même si c'est devant un écran d'ordinateur, ils savent que c'est pas la même chose. Ils savent que c'est pas la même chose. Dans ceux que j'ai, peut-être qu'il y a d'autres élèves qui ne font pas ces marches, mais on sent qu'il y a il y a quand même ce filtre qui est créé, le fait d'être à l'école et de... Ils savent que c'est pour du vrai quand même. Même si on l'a vu, ils ne savent pas où est le Rwanda, ils savent pas, enfin, mais ils savent que c'est pour du vrai. Néanmoins, il y aurait peut-être en effet à travailler autour de ça. C'est une autre forme. Mais c'est vrai que je crois plus... Enfin, je me dis que guider et aider l'émotivité par un travail intellectuel me paraît être une des pistes. Une des pistes. Oui. J'ai une petite question un petit peu presque provocatrice, mais c'est vrai qu'un génocide tel que celui que vous avez traité, il y a une assez grande distance pour les élèves. Moi, la question, c'est, est-ce que vous imaginez qu'il serait possible de faire la même démarche, entre autres sur l'empathie et ensuite la réflexion, sur un sujet qui est très vif dans la société en ce moment? Je prends l'exemple, par exemple, des migrants. Parce que là, du coup, ils seraient confrontés à cette empathie, mais aussi à ce qu'ils entendent tous les jours à la télévision, qui est dans l'autre sens. Alors, la petite différence, par contre, je pense, c'est ce que j'ai dit en introduction, c'est la question des représentations. C'est-à-dire que sur le génocide des Tutsis, ils n'ont aucune représentation. Si je prends le génocide des Arméniens, c'est pareil, la plupart des troisièmes ne savent pas trop qu'il y a eu un génocide en Arménie. Le seul génocide dont ils ont probablement entendu parler, peut-être avec des fausses représentations, celui des Juifs et des Tziganes, parce que souvent, pour ceux qui ont des élèves de troisième, c'est la première chose qu'on nous pose, quand est-ce qu'on fait les chambres à gaz, quand est-ce qu'on étudie ça. Sur les migrants, pourquoi pas, parce qu'on pourrait travailler ça en quatrième, par exemple, sur la question des mobilités. Par contre, là, les élèves viendraient avec, je pense, et là encore en fonction de l'établissement et en fonction des élèves, avec davantage de représentations. Donc peut-être qu'il faudrait, dans ce cas-là, pourquoi pas passer par la question de l'empathie ou de l'émotivité, mais il faudrait aussi travailler sur la question des représentations. Je pense en particulier sur le vocabulaire journalistique entre les marées de migrants, etc. Peut-être prendre du recul aussi statistique, sur le plan statistique, montrer que l'immigration aujourd'hui, c'est pas plus ni moins, etc. Voilà, peut-être. Mais l'empathie, pourquoi pas? Oui, je pense qu'il y aurait peut-être quelque chose à faire qui rejoindrait aussi le MC dans ce domaine. Il nous reste deux, trois minutes. Je ne sais pas si après la salle est prise. Alors moi, merci beaucoup pour ce que vous avez pu nous apporter. Moi, je suis en classe de première et je travaille un peu dans la même démarche autour d'extraits du film « Quelques jours en avril » de Raoul Peck.
Et voilà, je travaille deux axes sur la démarche historique, comprendre l'événement, donc faire toute une carte par rapport à ça. Donc là, c'est vraiment historiser l'événement. Et puis après, de faire une démarche, alors je suis avec les L et puis les ES essentiellement, c'est une analyse filmique et de voir en fait de quelle manière ce qui est porté à l'écran, les choix filmiques, vont contribuer justement à l'émotion. Parce que là, effectivement, moi aussi, mes élèves disent que le programme de première est terrible. Exactement le même ressenti, même s'ils sont plus grands. Et certains élèves sont parfois en refus. Et justement, moi, j'ai des élèves qui refusent les images parce qu'ils trouvent que justement, à un moment donné, c'est trop, quoi. Donc voilà, c'était juste la même démarche. Mais c'est un vrai... Je suis prof depuis un moment, mais je trouve qu'en ce moment, c'est... Alors, c'est pas lié au changement de programme, parce que les programmes restent à peu près les mêmes, mais mon ressenti, c'est que les élèves sont de plus en plus sensibles à ça et que pour l'instant, en ce qui me concerne, on a du mal à répondre à cette sensibilité-là. Peut-être parce qu'on a abandonné le côté sensationnel. Je pense, en tant qu'élève, moi, les bulldozers d'Alain René... ça marque, mais voilà, ça marque, et puis on repart, et on ne fait rien de ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a une demande de plus de compréhension, et peut-être qu'en effet, l'approche empathique est une des solutions. Qui en plus procède d'une écriture longue avec des réécritures successives. Comment est-ce que finalement vous vous en sortez au moment de l'évaluation ? Si évaluation il y a, parce que les aspects référentiels vous pouvez les cerner, mais sur l'autre aspect qui fait finalement partie, c'est très difficile d'évaluer. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu faire d'évaluation sur ça. Si je pense le refaire. Comment vous l'envisagez ? Comme je le disais, on est dans un établissement par compétences, donc lorsqu'on évalue, que ce soit le raconté ou le développement construit, on a une grille d'évaluation qui met en valeur les lieux, les dates, les acteurs, les connecteurs logiques, etc. Et donc ça serait un élément qui permettrait, avec une petite grille qu'ils ont l'habitude d'avoir, d'évaluer, je dirais, le fond et la forme de cet élément. Reste la question d'évaluer la capacité que l'élève a eue de passer de la phase émotive à la phase, je veux dire, plus rationnelle. Ça, je ne sais pas. C'est le sens de ma question, justement. Reste à savoir si elle est à évaluer. Oui, mais c'est vrai que par rapport à cet effort, et comme ça fait partie de la consigne, ça pose effectivement cette question-là. Alors après, il y a toute une dimension évaluative qui est, comme je vous le disais, quand je passe, quand je vois les élèves qui, au départ, sont un peu énervés, etc., et qui arrivent à mettre des mots... Et ça a été le cas au moment de la dernière étape où ils regardent les témoignages vidéo de l'ONU, où là, j'ai une salle qui était silencieuse. Alors, de fait, quand on écoute avec un casque, on ne fait pas de bruit. Mais je pense que là, il y a un élément d'évaluation pour se dire ils sont entrés dans une démarche, non pas éruptive, mais dans une démarche déjà de... Voilà, je suis toujours ému, mais je comprends. Et cette compréhension permet de mettre un peu de distance, mais de la bonne distance par rapport à l'événement. On ne va pas polémiquer, mais c'est le fait de l'approche sensible. À partir du moment où vous la sollicitez et vous l'autorisez, de fait, il faut bien en faire quelque chose. Et pas sécher en évaluant que le référentiel. Alors, je répète, ça s'est fait en fin d'année, donc je n'ai pas pu rebondir dessus. Là, c'est vrai que c'est une interrogation pour savoir ce qu'on pourrait faire de cette partie-là. Oui, tout à fait. Voilà, je pense qu'on peut peut-être arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée.